Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes mercredi 18 janvier 2023. Ce matin, j'étais là pour une vidéo sur la promotion Semaine d'Action. Et là, c'est pour découvrir s'il y a quelques nouveautés. C'est parti! Ça tombe bien, une nouveauté avec ce cadre avec fleurs séchées à 4,99€. Donc on peut l'accrocher de cette manière. Il y a ce modèle aussi. Alors du coup, entre temps, un coucou et un gros bisou à Sabeha et Naïla. Merci beaucoup les filles, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. On refait un petit tour dans ces plateaux. Tiens, j'avais pas vu celui-là, il me semble. 1,36€ en mélaminé. Il y en avait pas mal et je crois qu'il y avait au moins 5 modèles. Alors celui-là, si on l'a vu. Celui-là, on avait vu en premier. Non, mais je crois qu'avec les fleurs, je ne l'avais pas vu. Ils font 38 par 23,5. Boîte de rangement avec le couvercle, 2,49€. Donc là, celle-ci, 30 par 17 par 15, c'est une 5 litres. Et puis elle est plus basse, 1,99€. Donc idéal aussi pour ranger vos loisirs créatifs, matériel de couture, tout ce qui peut être, on peut décider de ranger tout ce qui peut être chargeur, pile, etc. Après, c'est des boîtes qu'on peut, enfin, on peut utiliser le couvercle, ça dépend pourquoi, ou on peut les mettre aussi dans les tiroirs pour trier, dans ce cas-là, on n'a pas besoin du couvercle. Mais il est compris dans le prix, parce que souvent on me demande, c'est vrai qu'il y a des enseignes où les boîtes et les couvercles sont vendus séparément, mais chez Action, en tout cas pour toutes les boîtes, les couvercles sont compris dans le prix. Tiens, je viens de voir quelque chose de nouveau, c'est cette boîte, enfin boîte de rangement avec les roulettes, 60 litres, elle est à 5,95, non, 60 litres, c'est laquelle? Si, si, c'est ça, mais en fait, il y a marqué 30 litres, mais ça doit être 60, ça doit être, je sais pas, un chiffre, mais ça correspond pas au litrage, j'ai pas l'impression. Elle est bien à 5,95, et donc la nouveauté, c'est de par sa taille. Alors, ils mettent boîte pour mettre en dessous des lits, je trouve que c'est un peu haut pour mettre en dessous des lits, mais après, ça peut être aussi les lits adultes. Hein. Elle fait 59 par 39 par 18, hein. Donc à roulette. On a les petites comme ça, pareil à roulette. Alors moi c'est celle que j'ai dans mes placards de cuisine. Je vous explique à chaque fois comment j'ai organisé mes placards de cuisine. J'ai mis des grandes boîtes comme ça, elles sont profondes. Je préfère ça que mettre deux boîtes. Parce que s'il y a deux boîtes, je vais toujours tirer la première et l'autre je vais avoir du mal. Donc j'ai préféré prendre une grande boîte comme ça. Elles ont remis ces coussins rectangulaires. Donc il y a bleu, vert, moutarde et gris. Alors dans une de mes vidéos, je vous ai parlé un petit peu des coussins et je vous avais expliqué que en fait, j'ai changé les couleurs de mon salon. En fait, j'avais moi avant du vert comme ça avec du bleu nuit. Et c'est deux couleurs qui se marient très bien. Mon canapé est gris. Alors c'est vrai qu'au début, je me suis dit « Oh, ça va faire bizarre et tout ». Mais non, non, ça se marie, c'est des couleurs qui se marient très bien avec le gris. Et, mais je vous disais que bah, là, j'ai changé pour du gris. Et du blanc. Alors, j'ai pas pris ceux-là, hein. J'ai pris, vous savez, ceux que j'aimais bien là, avec la fourrure. Et vous avez été nombreux à me répondre en commentaire que vous aussi, vous aimiez changer selon les fêtes, selon les saisons. Et que vous aviez presque tous, hein, à un moment dans l'année, changé de couleur. Mais le gris revient beaucoup dans vos couleurs. Ça, c'est sympa, ce rose-là. Après, moi, je trouve que voilà, tout ce qui est rose, pastel et tout, c'est plutôt des couleurs qu'on va mettre dans une chambre. Après, voilà, on peut très bien avoir un salon rose et blanc. C'est très joli aussi. Mais c'est vrai que moi, dès que je vois du rose, bah, je pense chambre. 1,99€. Bon, là aussi en vert et en gris. Et en taupe. Ah. Voilà. Tiens, une nouvelle horloge. J'en profite pour faire un coucou à Nora et sa fille Camélia. Merci beaucoup, Nora. Très gentil, très sympa, ce petit moment. Et gros bisous à Camélia. L'horloge métal avec rouage, 14,95€. Alors, j'essaie de regarder s'il y a une indication pour voir si le rouage fonctionne. Il n'y a rien d'indiqué. Mais souvent, je sais que, voilà, il y a eu ce modèle-là, tiens d'ailleurs.
ce modèle-là et je sais que le rouage ne tourne pas. C'est une question que vous m'avez souvent posée, donc du coup j'ai vérifié. Dans celle-ci, le rouage ne tourne pas. Alors il y a d'autres enseignes qui proposent ce genre d'horloge et le rouage tourne, mais pas celle-ci. 55 cm, si c'est la même que l'enseigne. 55 cm de diamètre, 19,95 en bois et métal noir. Tiens, les cordes de jute. Alors, c'est pas nouveau, mais là, ils ont remis ces deux couleurs. D'ailleurs, un petit coucou à Christiane et à Karine. Je n'arrive toujours pas à trouver. Vous m'aviez demandé après les bobines. J'ai toujours pas trouvé. Voilà, donc il y a ces couleurs-là. Et j'ai vu tout à l'heure du noir, mais je sais plus, tiens. Puis, il existe aussi en noir. Il est là en noir. 2,98, elles font 3 cm de diamètre sur 2,75 m. Nouveauté, alors avec du marbre en ce moment, hein, c'est très tendance, on a ce bougeoir à 2,99 €, on a plusieurs couleurs, donc on a le blanc et on a le gris. Alors dans le rayon déco ou dans le rayon vase ou tout ce qui est bougie, on trouve aussi des petites plaques en marbre, mais je vois qu'il y a une autre nouveauté en marbre, c'est ça, c'est ce plateau rond, plutôt lourd, 5,95 €. 24 cm de diamètre. Alors ils mettent plusieurs couleurs, moi je vois que ces deux là, mais je pense qu'il y a aussi le blanc. Alors le blanc dans le marbre, hein, c'est une couleur qui est très très demandée, donc qui part rapidement dès qu'elle est posée en rayon. Il y a aussi autre chose qu'il faut savoir, des fois quand il y a plusieurs couleurs comme ça dans un même carton, par exemple sur 10 pièces, il va y avoir seulement qu'une seule pièce blanche. C'est pour ça que des fois c'est difficile à trouver, il y a certaines couleurs qui sont difficiles à trouver. 5,95 €. Je retourne juste, je crois que ça c'est une autre couleur. Je pensais que c'était du blanc, non, regardez. Donc il y a bien trois couleurs. Alors les billes d'argile, 5 litres pour 2,32 €. Je souris parce que pour moi, les billes d'argile, ça se met en déco dessus, mais pas du tout en fait. J'ai appris ça l'année dernière seulement, vous voyez, comme quoi en fait les billes d'argile se mettent au fond du pot. On met la terre dessus et en fait ça va servir à réguler, je veux dire ça comme ça, l'eau. 2,32 €, puis si vous trouvez ça joli comme moi, vous pouvez toujours en mettre dessus comme déco, mais en fait à la base ça se met au fond des pots. Les paniers de fleurs tressés, hein, 3,99 €. Donc on reconnaît les paniers de fleurs parce qu'il y a un fond plastique à l'intérieur, donc cache-pot ou panier de fleurs, 3,99 €. Les pots, hein, arrivent, hein, petit à petit, hein. On a ceux-là aussi, panier de pommes de terre, bon, 14,95 €. Et on a les plus petits paniers en rotin, hein, poignée 3,49 €. J'ai vu aussi qu'il commençait à y avoir les balconnières, jardinières, balconnières. 6,95 €, donc à suspendre. Ils en remettent en rayon, hein, c'est les barres de déco. Si vous faites une petite fête, vous voulez tout simplement décorer tout simplement une table. Hop, ça se met comme ça. Au niveau de la dimension, ça va de 1,30 m à 2,50 m. Donc si votre table fait plus de 2,50 m, c'est pas bon. Et puis après, tout autour, vous pouvez mettre soit une guirlande, soit des fleurs séchées, soit les deux. C'est 12,95 €. Ça donne ça. Les chaises. Tiens, chaises avec les pieds imitation bois, métallique. Ça, c'est nouveau. Par contre, je vois que les assises, je vois que du gris. 29,95 € et elles existent aussi en noir. Les bombes de bain, tiens, en plus en promo, je ne les ai pas vues ce matin, 3,49 €. Mais j'ai trouvé d'ailleurs que dans la promo de cette semaine, il n'y a pas trop de produits, enfin maquillage, soins. 3,49 €, il y a 5 boules de bain. Enfin, il y a le smiley, mais c'est juste une étiquette. Le retour de ces éponges, alors les éponges, hein, il y en a tout au long de l'année, mais il y a des moments où il n'y en a plus. 58 centimes l'éponge de bain. Je vous l'avais déjà montré, hein, cette gamme de gommage pour le corps, 2,12 €. Celle de mer avec senteur de lotus, parfum lotus, parfum fleur de cerisier. Et je crois qu'il y en a une troisième. Celle-ci, thé vert et concombre. Alors je suis tentée de les tester, mais j'ai acheté ça. Je vous avais dit que je voulais vraiment tester ce gommage pour le corps. C'est un gommage sec. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vous dirai, de toute façon, je vous ferai un retour. Gel d'aloe vera. Alors je l'ai cherché partout. Enfin, je l'ai cherché partout. Je le cherchais ici, mais à chaque fois que je venais, j'allais direct dans le rayon pour voir.
C'est du gel d'aloe vera et je voulais l'utiliser. Là, ils disent corps, visage et mains. Je voulais le tester sur les cheveux avec un petit mélange d'huile de ricin. Et j'arrivais pas à le trouver parce qu'en fait, ici, il est à, il me semble, à 2 euros. En plus, il est en promo. 2 euros 12, pareil, vous voyez, en fin de compte, je pense que tout ce qui est produit pour le corps, produit de beauté, ils les ont laissés dans les rayons. C'est ce que je vous expliquais une fois. Si vous ne trouvez pas dans le rayon promotion, quand vous voyez des étiquettes comme ça, c'est que c'est en promotion cette semaine. Donc 2,12 €. Donc je suis contente parce que du coup, j'avais cherché dans d'autres magasins. Et le gel d'aloe vera, je crois que le moins cher que j'avais trouvé, c'était 9-10 €. Et encore, il n'y avait pas autant. Celui-là, il est à 92% d'aloe vera. Donc c'est déjà pas mal. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà testé sur mes bras, parce que j'avais les bras assez secs, et j'avais testé le gel d'aloe vera, et c'est vraiment bien, ça hydrate bien la peau, c'est juste la consistance du gel qui peut gêner. Et je me souviens aussi avoir rencontré une maman qui me disait qu'elle utilisait ce genre de produit pour les cheveux de ses enfants, elle remplaçait le gel enfin, elle me disait, bon, je trouve que le gel, il y a trop de choses, on va dire, chimiques dedans. Donc, elle a préféré, enfin, elle préfère coiffer ses enfants avec ce genre de gel. Et apparemment, ça tient bien. Enfin, c'est ce que j'explique toujours, hein. Si un produit qui ne vous plaît pas, que ce soit consistance, parfum, etc., essayez de le réutiliser. Si par exemple, vous avez des crèmes chez vous que vous trouvez trop grasses, pensez à les utiliser sur les pieds. Un autre gommage qui est vraiment bien pour le visage, c'est celui-là, 1,95 €. On termine par les chamallows. Ce matin, j'ai pas arrêté de vous parler de ces chamallows en forme de cœur. 1,39 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore un gros bisou aux personnes que j'ai rencontrées. J'ai encore rencontré une autre famille. Et du coup, j'ai oublié de vous demander vos prénoms. En tout cas, gros bisous. Je pense que vous vous reconnaîtrez. Je vous dis à plus tard.